peut-on vraiment faire cela? Nous ne sommes que des paysans et des marchands. Aie foi, mon frère. Mon navire va enfin reprendre du service. J'en avais assez qu'ils prennent la poussière. Nos navires sont robustes, et les murs de Burg sont solides. Idée de fuir. Eivor, la nouvelle de tes actions à Théophord s'est répandue comme un feu de broussailles. Des hommes arrivent de toute l'Est Anglie, et nos navires sont prêts. Le magistrat de Théophord est avec nous. Ces hommes seront bientôt là. Ils ne seront pas les seuls. La corne de Kingsbury a réveillé les hommes de tout le royaume. Nous aurons l'armée qu'il nous faut. Il semble qu'Oswald ait réussi en fin de compte. Saxons et Danois sont unis pour une cause commune. Dommage qu'il ne soit pas là pour le voir. Nos forces seront bientôt prêtes. Es-tu prête à lancer l'assaut ? Je le suis. Notre objectif est Burg Castle, que l'on dit inexpugnable. Bien. Ainsi, l'ennemi sera encore moins vigilant. Sous le couvert de la nuit, Valdis mènera le Fyrd à la Grand Porte. Cela distraira les hommes de Roued, et nos forces rejoindront la porte maritime sur les eaux noires. Et une fois à l'intérieur, nous ouvrirons tous les accès au château. Il faut empêcher les hommes de Roued de se retrancher davantage. Ton navire, est-il prêt ? Il attend son moment de gloire. Il faut que tu leur parles, Eivor. Oswald n'était pas un homme à rechigner lorsque vous aviez besoin de lui. C'était un homme généreux, juste et fort. Un homme qui a donné sa vie à son clan. Rendez-lui cet honneur. En sa mémoire, battez-vous avec autant de courage que lui. Pour Oswald ! Pour Oswald ! L'heure est venue. Aujourd'hui, nous allons débarrasser à jamais l'Est Anglie du clan de Roued. Tu te souviens du rêve dont je t'ai parlé ? Tu rejoignais le Helheim à bord d'un navire en feu. Peut-être une réalité aujourd'hui. Les rêves, la vie, sont-ils une seule et même chose après tout ? Je monte au destrier marin de Pierre, battant des Yannis Garand. Au galop, je cours à la ruine et à la fin du temps. Tenez-vous prêts. Les chiens de Rouette vont nous voir venir. Stop! Stop!
Allez-y!
Oswald. Il est en vie. Oswald est en vie! C'est bien toi! Ferme-la, échine de roseau. Tiens bon! Tout sera bientôt terminé! Ne t'inquiète pas pour moi! Tu dois empêcher! Silence, charogne! Alors nous y voilà, amis des loups! Deux Danois qui s'affrontent pour un fils de chienne de Saxon! Si tu veux ce pourceau, tu devras venir le chercher! Merci. Tu te commets avec ces bons à rien, ces verras, et en échange de quoi? D'un lopin de terre et d'une promesse de paix? Eivor, non! Il doit être jugé devant Dieu, une assemblée légitime. Mon règne ne commencera pas en versant plus de sang que nécessaire. Un autre affront flagrant. Pour les méfaits qu'il a commis, cet homme doit mourir. Les anciennes lois sont claires. Ce sont les terres d'Oswald, où il doit régner comme il l'entend. Eivor s'incline devant les rois. Défier un roi, c'est l'humilier. S'il perd son honneur, l'Estanglie ne pourra guérir. Et ton honneur, Eivor, jusqu'où consens-tu à le sacrifier? Le roi légitime d'Estanglie t'a fait grâce aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi. Ah 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 ah
passion est une vertu qui sied à chacun, Eivor, toi y compris. Merci. Décédé. Je devrais aller voir Oswald et m'assurer qu'il va bien. Loué soit le père de tout. Oswald est en vie. Tu t'es bien battu, Paya. Toi aussi, Saxon. Montre-moi ces terres, mon ami. On a réussi ! Je dois dire que je n'en reviens pas ! Je viens d'une contrée. Loué soit Dieu, sa miséricorde. Merci de m'avoir écouté, Eivor. Je connais la valeur d'un tel geste. Tout ceci ressemble à un rêve. Sauf que tu ne dors pas. Vous vous êtes bien battus, tous les deux. Tu es là aussi, mon vieil ami. Si j'avais su que tu étais encore en vie, je serais resté à Norwich. Regarde autour de toi. La joie règne. Et nous avons triomphé. Et bientôt, un grand événement aura lieu. Nos épousailles, mon amour. Enfin, si tu veux toujours de moi. Pourquoi te rejetterais-je ? J'ai mal combattu. J'ai laissé l'ardeur et la colère de cette brute avoir raison de moi. Et je... Assez, Oswald. Tu t'es battu. De tout ton cœur et de toute ton âme. Je ne demandais rien de plus. Dans ce cas, il y a beaucoup de choses à préparer. Une femme à épouser et un royaume à diriger, certains seraient prêts à tout pour ça. Et beaucoup sont morts pour l'obtenir. Et toi, Finr, cela te rend-il envieux ? Certes non. J'ai le cœur ardent, mais les os fatigués. J'aspire seulement à une bonne sieste. J'ai vu un tas de foin un peu plus loin. Plus tard, Eivor. Pour l'instant, je dois prendre soin des blessés. Alors on se reverra au mariage. Oui. Et j'y compte bien. Je dois retourner à Helmenham. Le mariage d'Oswald est pour bientôt. Une victoire durement acquise. Mais elle est là. Le clan de Rouen n'est plus que cendre.